les 65% de possession. Ouais. Regardez comme quoi le foot, c'est pas forcément une affaire de. Non, mais je, alors, je, vous, je vous ai jamais vu, je pense. Donc. Non, mais parce que les autres sont au courant. La possession, ça veut rien dire, monsieur. La possession, c'est. J'ai une expression en tête, mais je vais pas la sortir. Ah, non, 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 parce que j'ai pas. Non, non, je vous promets, j'ai décidé de me calmer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la possession, ça veut rien dire. Par contre, quand on centre 33 ou 34 fois et que l'adversaire centre 14 fois. Quand vous passez les deux tiers du temps dans la moitié adverse, quand vous vous touchez, je crois, 45 ballons ou 60 ballons pardon, dans les 30 derniers mètres et que l'adversaire en a beaucoup moins, enfin, toutes les stats sont en notre faveur. Mais la seule que je veux bien dégager de ma réflexion, c'est la possession. Parce que la possession, ça ne veut rien dire. En général, ça veut dire que vous êtes en train de courir après le score. Voilà. Donc, et que l'adversaire est dans son camp et qu'il vous attend. Donc en gros, c'est à peu près ça. D'accord ? Il n'y a que Paris qui est capable de garder le ballon comme ça. Toutes les autres équipes, elles jouent. Quand elles n'ont pas la possession, c'est que souvent elles ont gagné, rassurez-vous. Donc, quoi qu'il en soit, après cette remise à niveau, voilà, c'est gentil. C'est gentil. Et on peut même avoir le sourire un soir de défaite, c'est malheureux. Hein. Mais non, ça ne veut rien dire la possession, ça ne veut rien dire. C'est vrai que toutes les stats sont en notre faveur. Si je regarde les stats ce soir, je me dis, ben, vous avez gagné. Mais non, on a perdu. Parce que Angers a été. Plus organisé défensivement parce que Angers a bien défendu, parce que Angers a bien contré et parce que sur une situation on s'est fait avoir. Mais là, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Après, je veux bien entendre que, enfin, moi à mon niveau, je trouve que la défaite est cruelle, mais elle est là et il va falloir qu'on progresse à ce niveau-là. C'est une évidence. Ouais.